Coucou Delphinus, coucou Goldarius, coucou Calypso. Salut. Coucou Morana, coucou Solitaire, comment allez-vous ce soir? Bien, 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 ah bien. Oui, bien, oui. Bien. Oui, oui. Bah, Calypso est sorti de son lit, donc ça va déjà. C'est oui, ça chose. Y est, enfin. Coucou mon Christo, enfin, coucou. J'émerge. Ouf, je n'ai plus qu'un paquet de mouchoirs à côté de moi. C'est un miracle. C'est bien. Bon, ben, on est dans les égouts, hein, parce que quand même, on est encore, nous, à 5857 blocs des Carpates. Calypso est loin devant. Delphinus est loin derrière. Non, j'ai... Oui. J'exagère. Non, c'est pas vrai, il est pas si loin que ça. Quoique... 6054 blocs. Ah oui, non, c'est pas très. Hop, bon, allez, on avance, non. C'est... Du coup, t'es en train d'isoler, Calypso ? Oui, là, je creuse, parce que là, il n'y a pas besoin d'isoler, c'est creuser. Isoler un petit peu de temps en temps, mais je suis pas sous un océan, là, pour l'instant. D'accord. Alors, j'en profite, j'avance assez rapidement. Oui, bah là, ça va plus vite, effectivement. Que quand il faut mais faire tout ça, non ? Voilà, quand j'aurai mes demi-blocs à faire sous l'océan, bon là, ça va ralentir, quoi. Ouais. Forcément. Bah, je pourrais peut-être te rattraper. Oui. Hein ? Bah, je peux aller lui mettre des bâtons dans les roues, aussi, avec ça. Genre, je repose des blocs à côté d'elle. C'est bien. Pour la ralentir. Je te rappelle que je peux te mordre. Ouais. Tout de suite dans la violence. Bah oui, mais bon. C'est toi qui parles de violence. Hein. Ouais. Okay. Bon ben ça y est, je suis allé voir Wonka. Eh ben, il est super bien. Je vous le conseille. Hein. Donc on prévoit les tablettes de chocolat à la sortie. Oh, merci beaucoup, Malila. On t'en réveille à vous. Coucou ma hedgie, le temps file vite quand on fait des conneries. Pourquoi nos herz? Qu'elle a dit l'allemande là, j'ai rien compris. t'as rien compris non plus, Goldarius. Hein. j'ai compris bonne sieste. Ça m'étonnerait qu'elle ait dit ça. Hein. Coucou Macara, il est chouille. Une gratouille, Rana, gratouille. Ça t'épique. Voilà. Voilà. La faute à Clamp, encore. Oui, ça, sûrement. Ça doit être ça, Lila. J'en ai déjà plus. Oh. C'est bon. D'ailleurs, on n'a pas eu de nouvelles de Clampin aujourd'hui. En parlant des bêtises de Clampin. J'ai fait le... C'est pas possible, ça. Ah, j'ai mis un peu un trop bas. Oui. Après, donc, du coup, on est sorti du cinéma. J'ai dit à mon fils, tu veux rigoler? J'ai plus de chocolat. Je vais être obligé de taper dans le tien. Ah, écoute, on a passé 2 heures à regarder des gens se coiffer de chocolat. Ah, tu m'étonnes. Ça doit... Ouais.
Ah oui, merde, j'aurais peut-être pas dû me dire que ça parlait de chocolat. Oh. Je pense pas que tu spoiles grand chose là pour le coup. Ouais, allez. Bon, je peux pas vous chanter alors... la chanson des Loompa Loompa non plus. Ah, oh, c'est dommage. Ouais. C'est bien rigolo. J'ai même pleuré à la fin. Ah, c'est un film réussi quand on... ils arrivent à nous donner la larme, la larmichette à l'œil. Bon, c'est facile, moi, tu sais me faire pleurer. Hein. Facile. C'est facile. Ah, là, 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 là. C'est pas bien de se moquer. Moi-même dans les égouts, j'ai mon ombrelle. Hein. On sait jamais. C'est tellement plus élégant de travailler. Mais avec oui, franchement. Un peu, faisons-le. Et coucou mon carco. Comment il va mon carco doudou? Salut carcosion. Profite encore, t'as bien raison. Oups. Mais... je fais attention quand même. J'ai pensé à nos amis belges, je me suis acheté de leur chocolat. Mmh. Miam. Moi même pas. J'ai pas acheté de chocolat. La quantité de chocolat que les enfants ils ont. Je pense que si je leur en pique un peu, ils le verront pas. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est mon chapeau. Pourquoi j'ai enlevé mon chapeau, je m'en rappelle plus. Pour mettre le casque dedans? Ah non. Je l'aime, enfin, ça j'aime pas. Ah, c'est pour l'ombrelle. Non, l'ombrelle elle est... Ah, c'est la couronne. La couronne. Ah, évidemment. La couronne. Ah, il y a des priorités. Hein. Bah oui, quand même. Oui, bienvenue tout le monde, asseyez-vous. Prenez une chaise, si vous en trouvez une. Pour l'instant, on est calme. C'est pas dit que ça continue. On est calme parce qu'on se voit pas. Ça peut changer. Coup solitaire. À tout moment, ça twerk dans les égouts. Tout à fait. Ouais, bon bah, de toute façon, le patron n'est pas prêt d'en gagner une de partie de pêche. Hein. Alors là, je ne donnerai pas mon trophée si facilement. On n'a même pas eu de nouvelles cette semaine du patron. Ouais. La réunion, mardi. Pas eu de réunion, ben non. De réunion. En espérant qu'il a pas eu la crève et puis qu'il est oui, pas ça, au fond de lui. C'est possible aussi. Hein. Non, je pense qu'il était bien occupé tout simplement. Bah oui. Alors, tout le monde à la maison. Oui. Plus
des petits enfants surexcités par Noël et tout ça, ça fait du mouvement tout ça. Non, parce que je l'ai croisé chez Z, je sais plus quand, ça avait l'air d'aller. Hein. Ah, ça change de couleur. Les crottes vertes. Oui, j'en avais plus des jaunes. Il a bien fallu que je fasse avec. C'est bien. Parce que j'avais. Moi, j'aime bien. Ça pèse vite hein, la durite quand même. J'ai découvert normalement dans les couloirs si vous prenez le temps, il y a l'air d'y avoir quelques poches de durite. Hein. Oui. Ceux qui sont pas construits, je les ai pas creusés. Hein, moi, les... Ouais. Alors, ouais, je creuse le couloir. Après. J'ai pas encore pris la peine de m'arrêter pour en prendre. Tu vois, là, il y en a tout plein. Ouais. Le sol, ouais. Sur les murs, je pourrais peut-être en récupérer. Après, c'est pas une obligation, c'est juste que voilà, si on en manque, on n'est pas forcément obligé d'aller. C'est ça. Il suffit juste de regarde. De s'arrêter dans le couloir, quoi, puis... bon. Ah, salut Oya. Il y en a plein là, donc on va la prendre. Ouais. Hein. Tout simplement. On sait que quand on commence. Oui, le problème c'est ça, c'est que on sait pas quand est-ce qu'on va en sortir. On commence une fois, jamais. Bon, c'est parti. On va se prendre de la flotte sur la figure. Ouais, voilà. Hop. Là. Allez. Ça fait comme une... Ça arrête de couler, oui. Oh oh. Tiens, paf dans ta face. Hein? Hein? Paf dans ta face? C'est qui dit ça? Tout un tour BD. Ouais. Vous l'avez ramené où? Ah, mais dans le sac de Calypso, peut-être. Celui qui est posé dans les égouts, non? Donc tu es sur toi, Calypso. Je préfère attention. Oui, il est. J'en ai de la diorite sur moi. D'accord. Tu en veux? Tu veux que je te la ramène? Non, j'en ai. Non, t'inquiète, je peux encore avancer un petit peu. Ouais, tu me dis, hein, d'accord. Je t'en ramène. Ok. J'en ai 8,743. D'accord. Donc, je sais pas combien ça fait ça. Bah, 8000, non? 8000, voilà, c'est ça. Oui, j'ai 3. Je me suis mis 3 stack upgrades en diamant. Ouais. Oh, merci beaucoup, Rana, pour la beau offert à Oya. Des bisous. Ouais. Non, de toute façon. Je vais te rejoindre. Un jour. Oui. J'y arriverai, hein. Vite.
T'es pas obligé, dis donc. Est-ce que t'as envie quand même, hein? Comme si t'es des psos, il y en a plein les couloirs, tu vois, donc juste... Moi, je me suis mise dans les égouts parce que... Après avoir dormi pendant quelques jours, j'avais pas vraiment envie de réfléchir. Les égouts, c'est ça qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de réfléchir. C'est ça. Je creuse, je suis le pattern, et c'est bon. Là, on réfléchit pas, nous. On n'est pas là pour réfléchir. J'ai envie de profiter de... Tout le vendredi de soir. De jouer à Minecraft quand même, mais pas de réfléchir. Voilà. Et les égouts, bah, c'est parfait pour ça. Et en plus, ça avance le projet quand même. Donc, voilà. Après, est-ce qu'il reste que 2 jours, hein? Oui. Ouais, c'est ça. L'attention, tu sais. Vite, 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 vite. Ah oui, les gentils, Rana. Dès que c'est ancien méchant, mais c'est pas vrai. Les gentils. C'est quoi ça, reflet machin chose? Je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà, c'est pas des trucs que tu mets sur ton vélo pour qu'on te voie la nuit. Dans 2 jours. Ah oui, carrément. Oh, il y a déjà 1 an. Oh. Remarque, c'est peut-être pas sa petite. Ben oui. Attends. Bah oui. Vas-y. Déjà. Mince. Le temps passe à une vitesse. Bah ouais. C'est vrai ça? Non. Attends, je... Tu te fous de nous, Kara? C'est pas possible. Pas déjà? Pas passer hein, ça. Et coucou petit cochon. Comment il va petit cochon depuis tout à l'heure? Merci quand même. Et coucou Matt. Et toi ça va? Salut Matt. Je voudrais être grand-père. Ah bon? Ah, ça viendra peut-être, hein. Sois patient. Non, c'est la grande soeur qui fête son anniversaire. Le petit, c'est en mars. Ah ouais, il a raison. Au mois de mars, c'est mieux. Hein, Calypso? C'est le meilleur. Oui, ouais. C'est le meilleur. Surtout le 18. C'est ça. Ouais, parce que pour ceux qui savent pas, on a le même anniversaire avec Calypso. 18 mars, les deux. À un an près, quoi. C'est ça. Hein? Pour moi, c'est gentil. Merci, Edgy. Ah, Lila aussi? C'est très gentil. Quand je dis que c'est non. Les meilleurs. C'est vrai? Ah, oh, Lila aussi est du mois de mars. Et eh ben voilà, tu vois. Voilà, voilà. Ah là 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 là. Ça va être la fête au mois de mars. On va se faire une fête. Tes infusions de grenade et biscuits choco, ça gazouille. Ah bah d'accord. Infusion grenade. Mmh. Ouais, ça doit être bon, hein. Ouais, partager quand même. Oui, c'est vrai. On a tout plein. Bon, si je me mettais comme ça, j'irais plus vite. Ouais. Même pas. Ah bah d'accord. Bravo. Sympa les copains, hein. Ça me fait penser que je me suis acheté des yaourts spéciaux.
Il y a pomme cannelle, bien sûr. Et il y en a un à la citrouille. Citrouille ? Oh, tiens. Ça doit être rigolo, hein. Oui. J'entendais un squelette, mais je l'ai pas vu. Ouais, tu sais, pour les fêtes, ils font des éditions spéciales. Et coucou Malili, comment tu vas? Toujours mieux que riz grillé. Oh, arrête, il est trop bon, riz grillé. Ça va bien, Malili, ça va. Petite séance ciné avec mon fils. Cet après-midi, c'était bien cool. Ouais. Ça fait du bien. Ma fille voulait pas venir avec nous, tant pis. Hein. Wonka! Wonka, Rana. On devait y aller hier et j'ai oublié hier. Bravo. Ah bah tu vas pas regretter. Hein. Il est trop bien. Hop. Ah bah la Arconne. Quoi, je suis pleine à ce point? Bah non, mais prends-la! Mais c'est parce qu'il y a Arconne qui arrive. Je suis patiente. Je pense voilà, que là, ça y est, c'est bon. Ah oui, c'est des torches là. Ok. Le problème, c'est que moi, je vais les enlever, les torches. Ouf, oh, ça sera festif. Il y aura du monde comme ça! Non, oui. On va s'amuser. Attention! Ah! Petit cochon. Oh le petit cochon! Oh, tu lagues moins qu'Arcon, le petit cochon. Ah. Ouais, ouais, super bien, mon cœur. Juste prévois le chocolat à la fin de la séance. C'est tout. Il devrait faire une alerte. N'oubliez pas votre plaque de chocolat avant. Tout à fait. Il devrait distribuer du chocolat, moi je dis. Ah oui. Ah, ça du c'est... chocolat Wonka. Coucou, Arcon sur le chat. Coucou. Moi, moi. Ouais. C'est l'histoire de Willy Wonka avant Charlie et la chocolaterie. On a bien rigolé. J'ai même pleuré. On pleurait pas à chaud de larmes, mais j'ai versé ma petite là. Vous pouvez passer là, les fêtes, merci. Un chocolat, quoi. Oh, oh, t'es obligé d'avoir envie de manger du chocolat quand tu veux. Je me demande si ça aurait le même effet si c'était un film sur les morues, tu vois. Sur la brindade de morue, par exemple. Oui. Est-ce que tu sortiras en ayant envie de manger la brindade? Bah, si c'est
sur la pêche à la morue, je suis pas sûre. Après, est-ce que si c'est sur une cuisinière ou un cuisinier, des fois, là, tu ressors de certains films sur la cuisine qui sont... Ça tente qu'après, tu te dis, oh... Ouais, ouais. C'est pas bon pour les chiens. Ah, le chocolat, non. Ah non, ah non, ça... Pour le coup, la morue, miam. Ah oui, moi, je pense que j'aurais envie de manger de la morue, hein. La morue au chocolat. Ah. Bah écoute, pourquoi pas. Pourquoi pas. Tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas dire. C'est ce qu'on dit toujours aux enfants. Voilà, hein. C'est ça, exactement. Ah. Allez. Laissez-moi deviner. Les torches, c'est Arcon. Bon, après, moi, j'ai continué aussi avec des torches parce que j'avais plus non plus de... J'ai épousé une portugaise pour ça. Pour l'amourer ? Faut toujours avoir de l'amourer à la maison ? Même là, Calypso, je l'ai choué pas. Ah bon ? Oh... T'es sûr ? Ah non de Dieu. Vie pour la morue, d'accord. Ok. Bah écoute, c'est une raison comme une autre. Ça va plus spawner là, ça va être rigolo. Allez. Pas arrivé. Ah, tu viens, tu rentres juste chez toi? Ok, Melilla. Normal l'absence d'arche ici. Hein? Comme je sais pas où il est. Est-ce que j'aurais oublié un endroit? C'est possible, hein. Non, non, c'est moi qui... C'est moi qui me suis fait. Ah, d'accord. Oh là là, Daphinius. J'allais pas l'épouser pour sa moustache. T'as le droit d'aimer les poils, tu sais. Après tout, t'en es recouvert. Hein. Comme ça. C'est mon père connaît là. Hein. Oh, il va le taper. Ah là là. Attends de voir venir devenir sur ma nagarme, toi tu vas voir. T'as goûté à un minigun toi aussi. Je suis mignon moi.
T'as pas encore rendu fou, tu veux dire? Ça va venir, ça va venir. Chiant, mais mignon, hein? C'est ce qui compte, hein? Une fuite. Ah, j'arrive vers Calypso. Ah oui, là, ça y est, j'arrive dans le... Association d'idées. Il y a une fuite, j'arrive vers Calypso. Alors Calypso, on est incontinente. Ouais, bah oui, il y a quelque chose. Hein. Oh. Tu crois que c'est pourquoi les Kleenex? C'est pas pour le déboucher. Là, incontinente du nez. Ça arrive, hein. On arrive. Il va falloir construire, c'est ça? Voilà. C'est alors, ça. Voilà. C'est pour ça que j'arrive. Arriver, je me disais bien. On va arriver à la construction. Donc, oui. Voilà. Voilà. Ça y est. Ben, c'est très bien. Elle vient d'où cette fuite? Oh, c'est pas une fuite là, c'est. Non, c'est l'océan qui. Donc je vais essayer de passer par le haut et de faire déjà début d'arche. Enfin, de toit, de toiture en tous les cas. Ouais. Parce qu'en fait là. Moi je suis là sinon hein. Ouais. je fais la limite de cet angle. J'arrive. Là, comme attends, ça. Attends, j'arrive. Je te rejoins. Attends. Hop. Zou. Hop. Ça. Voilà. Je suis là. Parce que là en fait dans l'eau c'est difficile de creuser alors j'essaye ben de, oui. De monter des murs pour. Enfin ouais. De faire des. Une. Ouais. Ouais. Je sais pas quoi. J'essaye quoi. Là, c'est déjà bien. Histoire qu'après on puisse vider parce que là, tant que c'est pas construit, en fait, on peut pas vider donc on est. C'est ça. Coincé. Alors. Je prends un dégât, mais parce que j'essaye de nager et de voler ou de je sais pas quoi faire en même temps et je prends des dégâts parce que je fais pas attention. D'accord. Et ben faut faire attention. Ouais. Alors, avance. Ça comme ça. Hein. Ah. Ça saute. Ouais.
Oh, dis donc, il y a du sable. Oh, il y a plein de palmiers et de sable, dis donc. C'est joli, l'extérieur. Oh, c'est du sable avec des cerisiers, des palmiers, des cerisiers. Très joli, tiens. Oh, mince. J'avais pas mon... Qu'est-ce que c'est ? Bah, j'avais mon ombrelle. Donc du coup, je viens de me prendre un coup de soleil. Ouais, j'ai toujours mon ombrelle dans la main. Voilà. Ouais. Quand tu veux sortir regarder le paysage, c'est mieux. Oui. Moi, je sors, j'ai pas mon ombrelle et voilà. Ah bah voilà. C'est parce que t'es bretonne, c'est pas pareil. Non, mais je suis pas bretonne. Non, mais... oh. Au secours, je suis pas bretonne, je suis normande. C'est honteux, hein. Ce que tu viens de dire. S'il vous plaît. Ah. La vexation, quoi. T'as traité de bretonne. Ah, pardon. Pardon. Ouais. Je sais pas, moi, je te pardonnerai pas à cette place. Non, c'est pas possible, quoi. Je peux pas tout accepter. Hein. Alors. Ah, je me suis dit pourquoi il était vide. Pas vide. Ça fait longtemps que je suis pas venu, hein. Du coup, je suis perdu dans mes sacs. Bon, les strings d'Arcon, on jette. C'est strong. Pourtant, sont les meilleurs. Ah, qui c'est qui dit ça? Matt. Te je le banne? Il est en Bretagne, Matt. Bah oui. T'es pas en Bretagne, Matt? Bah si. C'est en Breton, Matt? Bah ah, oui. D'accord. Ah oh, bah je croyais que. Il était en Normandie aussi, lui. Ah bah d'accord. Non. Ça, je vais te faire. Ah bah oui. Hein. Moi je m'en fiche, hein, je suis ni l'une ni l'autre. Hop. Les algues à sushi là. Me oui. Sens plus breton que marseillais en tout cas. Oui bon alors ça, d'accord, ok. C'est sûr, je vais pas me prétendre marseillaise, c'est sûr. Je sais pas si je ferais pas mieux d'enlever tout de suite le gravier. Je sens qu'il va nous embêter. Et toi, Delphinus? Oui. Oui. C'est quoi? Tu te sens quoi, toi? Alors, moi, dans le nord, on me dit que je suis du sud, et dans le sud, on me dit que je suis du nord. Alors. Au milieu, je dirais, mi-chemin. Ouais. Ah non, jamais allé ni en Bretagne ni en Normandie. Ben moi, pour le coup, je suis allé dans les deux. Alors, en Normandie, j'ai fait que le Mont-Saint-Michel. Hein. Je suis désolé, les Bretons. Mont-Saint-Michel, nana, les Normands, il n'est pas breton, c'est honteux. Là. Ouf. Mi-chemin, c'est Valence, ouais, c'est ça. Moi je me sens français, moi terrienne. Déjà c'est bien hein. Oui. Bon après je vais me mettre à dos les martiens et tout. Qu'est-ce que c'est? Pas pardonner. C'est quoi? J'ai pas vu. Ah, c'est une fleur. Ah c'est une fleur? Oh c'est gentil. Attends parce qu'elle a dû attirer dans mon... Oh c'est une petite tulipe, merci. Une seule tulipe. Ah oh bah écoute, déjà ouais. C'est bien. Ça fait joli, on voit un petit soliflet. Hey. Ah tu tends la main et elle te prend le bras, ok. Je voulais être portugais, j'ai divorcé trop tôt. Ah. Non mais, on laisse croire aux Normands que le Mont-Saint-Michel est à eux, comme ça ils sont contents. C'est trop... Hey, c'est gentil, merci. Oh. Vous êtes trop gentil avec nous. Vous pouvez pas tout avoir, vous avez le Queen Yaman, les Bretons, c'est déjà bien. Hein. Uh-huh.
pas moi, petit cochon, je suis bretonne. On risque de faire laguer, attends, je vais essayer de récupérer tout ça dans mon sac parce que... Le bazar qu'on a foutu. Qu'est-ce que ça? Je trouve que c'est joli, ça fait comme des confettis. Oui, c'est vrai. Ils ont déplacé le Mont-Saint-Michel. C'est comme les Parisiens avec l'aéroport. Oui, bah... Comme je pense tous les gros aéroports... c'est Lyon, c'est pareil. Hein. L'aéroport, il est pas à Lyon. Hein. Des flyers, prouvez-moi ton coup des flyers. Le Quénon, dans sa folie, a placé le Mont Saint-Michel en Normandie. Eh oui. Ah là là. C'est incroyable. Ces petites guéguerres de clochers, quoi. Oui, mais là, c'était. Je pense que ça a été une guéguerre de clochers, oui, au sens propre, mais c'est aussi une guéguerre de sous-sous. Parce que mine de rien, à l'époque, comme c'était un monastère qui rapportait des sous-sous, comme dirait l'autre, ben c'était intéressant de l'avoir dans son escarcelle. Ouais. Parce que tu pouvais, voilà. Ah bah d'accord. Voilà, c'était les sous-sous dans la popoche, exactement. Sous-sous dans la popoche. Je pense que ça jouait, ça a pas mal joué, ouais. Je crois qu'il y a un copain qui veut jouer avec nous. Tu veux jouer? Ah. Allez, on joue. Coucou. Un petit dauphin. Ah. Tant pis, hein. C'est pas très solide, ces bestioles-là. C'est passé de monastère à prison et c'est redevenu un monastère. Ah oui, bah oui. Oui. Oui, c'est passé de prison après la Révolution, hein. Donc, c'était une prison, ça n'a pas été construit comme une prison. Non. Quand même. N'empêche que c'est beau. Oui, c'est très beau. Voilà. C'est très beau et ça a une certaine magie quand t'es dedans, je trouve. Je suis pas croyante, donc j'avoue que je n'y vois pas moi, parce que d'autres peuvent y voir, mais j'y éprouve quand même quelque chose. Voilà. Ah bah c'est assez impressionnant déjà. Ouais. Plus vite que ça. Tu penses qu'il y a 20 000 blocs pour aller chez Balou. Je crois que l'année prochaine, à la même époque, on y sera toujours. C'est possible. Bon, on aura fait d'autres choses entre temps, mais. Ah oui, parce que ça va leur fermer. Ah oui, si ça va refermer, vous allez aller où? C'est ça qui me fait peur. C'est terrible. Plus de copains. Oh là 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 là. C'est fini. Non. Je pense pas. Et prends du chocolat, oublie les blocs. Des blocs de chocolat. Et on peut avoir des blocs de chocolat hein, dans le mode pack. Oui. Je vous dis ça comme oui, ça. Oui, hein. Oui, oui, il y en a. Si tu veux, oui. Si tu veux les chouilles du bloc de chocolat, tu peux, Malia.
Ah oui. Alors là, ses yeux s'illuminent. On va nous faire une église en chocolat. Je veux une maison en chocolat. Eh ben allez, let's go. On la fait pas au soleil, hein. Ça serait rigolo qu'elle fonde quand même. De femme qui s'éclate là. Attends, je t'ordonne. Normalement, je devrais y attraper tout ça. Là, je n'échappe pas. Ah, mais je sais. Je suis con. T'as coupé ton backpack. Si, si. C'est ça? Non, attends. C'est là. C'est bien là. Voilà. Ça, je monte. Là, je prends pas le spécial sushi, par contre. Je le fais brûler, j'en fais des blocs et tout, donc ça va, après ça prend moins de place. Mais le spécial sushi, tu peux pas le en faire des blocs? Non, non. C'est seulement les algues? Oui, oui. Ouais. D'accord. C'est le sushi, je le ramasse pas, tu vois. Ouais. Ça fait quand même moins d'items qui flottent. Sous la surface de l'eau, je prends des coups de soleil, c'est fou. Non, ça. Sérieux? Ouais. Mais mets ton ombrelle! Bah oui, attends, je la ressorte. Attends, elle est là. Hop, ça y est, je l'ai. Voilà. Voilà, très bien, parfait.
Oh là là, on n'a pas fini avec le calpe. Hein. Non, on a encore un bon paquet. C'est une horreur le calpe. Oh là là, c'est terrible. D'accord, après on a des jolis blocs quand même. Oh zut. J'entends des bruits. Ouais. Dans l'eau ? Ou dans ta maison ? Oui, non, non, dans l'eau, là, j'ai entendu un bruit. Ouais. Ah. J'ai dû rêver, je pense. Bah là, on n'est pas dans un océan glacé, il devrait pas y avoir d'ours. Ah non. Pas les ours, pas les ours. On a encore plus de 3000 blocs, quoi. Je devrais pas regarder les distances, ça me déprime. Business, mais... Hop. C'est où j'ai posé là. D'ailleurs, j'ai beaucoup pensé à Ragnamod en regardant Wonka. Ah ouais? Ouais. Et bah écoute. Parce qu'il y a un animal. Non, non, il n'y a pas de poulet, il y a autre chose. Continue.
sais plus combien on a fait l'autre fois en une soirée. On a fait un millier de blocs à peu près. Ouais. Oui, je pense que c'est ça. Ouais. 2 heures. Il est content, le dauphin. Il a plein de blocs pour jouer, oui! C'est la fête. En vrai, je pense au pauvre Largo. Oh oui. Hein? Oh oui. Il n'a pas loupé. Hein. Elle... 5 points de suture, 3, quelque chose comme 3 ça. 3 points de suture. Ouais. 3 points de suture. Ouais. Il n'y a pas été de. C'est après le lay, quoi. Ouais. 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 Ça va se faire mal quand même. Hein. Bah ils ont pas pu les arrêter quoi, ça, mm-hmm. Puis ça va vite hein, ils vont vite hein. Mm. C'est super rapide hein, ils se bagarrent, puis paf, il y a un coup qui... Ouais. Voilà, quoi. Sauf que après bah il faut soigner quoi. Ouais. Je vais poser où? Ah. Bon. Quand même des bruits des fois dans le jeu. Hein. Je suis en ninja depuis tantôt, je suis rentré chez moi. Des bisous, mes VG. Ah, des bisous. Puis des caresses à l'argot, du coup. Bah oui. Une petite pensée pour l'argot. Bah oui. En espérant que. Taco plutôt. Comment il va? Bah non, c'est pas Taco, c'est Taco non, qui c'est l'argot. Fait manger. Non, c'est l'argot. Non, c'est l'argot. C'est Taco ouais, qui a mordu l'argot. C'est Taco qui a mordu l'argot. Ah, ouais. Bah, oui. Bah je pense qu'il est, il est plus jeune, Taco, c'est ça, c'est le plus jeune. Peut-être le plus, mmh. Le plus dominant. Sinon, ouais, je pense que... Tu sais, c'est un husky, hein. Les huskies sont foufous hein, dans leur tête. Ouais, bah... Ouais, c'est ça. Il est foufou. Hein. Ça va, il ne s'en retourne pas trop, mais bon, c'est l'argot qui a attaqué Taco en premier. Mais Taco a eu le dessus, ouais. Disons qu'il a réagi quoi, à Taco pour le coup. Ouais. Pas facile de mettre en contact des chiens qui se connaissent pas bien. Hein. Faut... Ouais. Pas toujours évident. Hein. Puis, parfois quand ils ont de l'espace, c'est peut-être plus facile. C'est vrai que dans des petits espaces un petit peu plus réduits, c'est peut-être moins facile ouais, aussi. Ouais. Peut-être. Ben, c'est pas. Ouais, surtout les outils, c'est des chiens trop, qui ont besoin d'espace. Qui... Ouais, je m'y connais pas trop alors je sais pas non plus. Ouais. Enfin, je sais que nous, si on veut mettre en contact les chats, on préfère les mettre en contact dehors. Comme ça, s'il y en a un qui veut se carapater, bah, il se carapate, il se ouais. Dans un arbre, puis il attend voilà. Que l'autre se calme. C'est ça. Comme ça, bon, bah, mais dans des petits espaces, c'est voilà, plus difficile. Alors
là j'entends grogner, mais je pense que c'est parce qu'il doit y avoir un, un joyeux de riz dans le coin. Ils ne vivent pas ensemble tout le temps, et bah oui. Ouais. Ils connaissent pas assez. Bon, ça va, on va le sentir bien, on va les yeux touchés. À travers une porte, ils se réunissent plusieurs jours, j'interfère les gamelles aussi, et jamais eu de soucis entre les chats. Ouais. Non, moi non plus, les chats... Après, c'est pareil, hein, des chats qui se battent, ils peuvent se faire mal. Hein. Du coup, j'en ai un, il est rentré avec un trou dans la tête, quand même. Ouais. Moi, j'ai... Bah, le mien, il... enfin, j'en ai un qui sort beaucoup et il se bagarre donc avec probablement pour, pour les territoires ouais, bah oui. Dans les jardins. Hein, moi, je ouais. Voilà. Et il est revenu, bah oui, alors pas dans la tête, mais aux fesses, enfin dans le bas du dos en fait, ouais. Près de la queue. Oh bah dis donc, oh, que j'ai passé la main, ouf, ça peut être impressionnant. Hein. Oui, il avait eu un trou, le trou était de, dans la partie tendre devant l'oreille, tu sais. C'était pas beau. Je l'avais soigné, et puis voilà, on s'en était bien remis. Bah. Bon. C'est ce que j'ai fait, hein. Moi j'ai arraché le poil tout autour, désinfecté. Ouais. Puis je lui ai mis de l'éosine. C'est léché. Je lui ai foutu de l'éosine, sachant que c'était un chat qui avait le poil très clair, beige, mais sable, tu sais. Ouais. Ça devait faire une belle tache rouge. Oui, c'était beau, très beau. Ça, ça lui allait très bien. Moi non plus, j'ai mis de soucis avec les chats, j'ai mis des étiquettes sur les sacs de congélation. T'as bien raison. Ça, toujours savoir ce qu'on mange. Rana. D'un autre côté, il a raison. Hein. Ah. Ah bon. Oui, il était magnifique avec sa petite tache comme ça. Il était... Déjà, il était beau, naturel, mais alors avec sa petite tache d'éosine. Oh, Dolphinus. Pourquoi c'est surprise, nous a pas dit ah ouais. Aller voir. Bah, surprise, surprise, hein. Il a dit qu'il avait fini une partie, il a pas dit qu'il avait terminé. En plus. Moi, bon, tant que je viens pas, que je mets pas les pieds sous la table. Voilà. Ah oui, de toute façon, parce que t'auras pas fini dans deux jours, je te rappelle, Mohican. Je te ferme. Hein. Allez, vas-y, avance. J'avance pas comme ça. J'ai toute mal. Pendant mes vacances, j'ai vu le chat de ma mère, il a doublé de volume. Ah bon? Ah. Ok. Il avait gonflé à l'hélium, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu embêtant, ça. Pour bête. Doublé de volume, c'est un petit peu. Ouais. Alors c'était un bébé, puis d'un seul coup. Et il a grandi, oui. Pépère tranquille. Tu fais de l'aérophagie. Ouais. Peut-être. Il était grand et même la première année. Ah. Ben ouais, mais... ils sont comme nous. Hein. Ce qu'il faut pour avoir le stuff du misère. Hein?
Non, on va pas dans les trous, ça suffit. J'en ai une, elle est fine l'été, grosse l'hiver. Ah, du poil de... Du elle poil... fait son poil d'hiver aussi. Hein. Ouais, c'est ça, le poil d'hiver. Je fais des réserves, tu lui donnes si du elle... chocolat. Si elle est un petit peu... comment... Avec du... Du poil, tu sais, assez volumineux, là. Angora, ah, ouais. Angora, ouais. Ça fait des chats tout de suite volumineux. Des bisous. Ah, des bisous. Bonne, bonne nuit, Mohican. À bientôt. Tu passes quand tu veux. Hein. Repose-toi bien. Oui, il va oui le fait que l'été elle court les champs alors que l'hiver. Oui, oui, c'est aussi. Forcément, ils s'empattent en hiver aussi. Hein. C'est ce que je te dis, ils font comme nous. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Ok. Bah, joue bien. Oh oui, t'inquiète. Toujours. Et cet hiver, il n'est pas sorti pendant 3 jours, il enfonçait dans la neige. Hop, pas plus, comme là. Ça aurait fait congélation naturelle. Aussi. Pouf, direct dans le sac. C'est ça qu'il faut faire, faut le sortir en sac, Rana. Il fait pas froid. Hein. Quand on est sorti tout à l'heure là avec mon fils, je dis mais attends, c'est pas vrai. Il fait super chaud en fait. Moi je me bise comme s'il faisait super froid, mais il fait super chaud. Du coup j'étais morte de chaud. Je suis arrivée au ciné, je me serais bien foutu à poil. Je suis sûre, je me pose sur une île, je me promène comme avec une lesbe. Il a confiance. Hein.
bien monter, s'il te plaît. Merci. Ça va, Calypso? Oui, ça va. Ça avance, ça avance, ça avance. Je te vois tout toucher. Tout doux. Ah bah oui, bah... J'arrête et pas. Et on vide l'eau après, oui. Donc on préfère couvrir d'abord, comme ça on est tranquille après. Pour faire la déco. Ouais. Ouais. Parce que sinon... 3... Oui, c'est normal. Je te rappelle que le... Enfin, il est impair sur le plafond, quoi. Pour le tuyau d'eau. C'est ça. Le cuivre. C'est pour ça. C'est pas symétrique. C'est pas centré. C'est pas centré. S'en fiche, ça se voit pas. Non, parce que une fois le décor placé en bas, comme de toute façon, on voit plus le plafond. Tout à fait. Après, quand Aegi, elle place son tuyau de cuivre, et ben voilà, on voit plus la symétrie. Donc, parfait. Mais on est obligé de faire comme ça. La canne à sucre marchait bien, mais je ne sais pas si ça marche toujours, la canne à sucre. La canne à sucre, pourquoi? Pour respirer, sous l'eau. La fille, n'importe quoi, la canne à sucre. C'est une idée. Ça serait une idée. On ne prend pas la canne à sucre sous l'eau. Ah non, sous l'eau, non. Non, mais je ne sais pas pourquoi il parle de canne à sucre, vraiment. Vas-y, Calypso, pour la science, test. Donc, on attend les explications. Enlève ton tuba et dis-nous ce qui se passe. C'est facile. Ah, oh, là là là. Vraiment. Si je faisais mes chemins sous l'eau comme ça. Là là, je comprends pas, Rana. Non, je veux bien des explications supplémentaires. Si tu pouvais nous faire un petit dessin aussi. Je dis qu'il y a besoin de sang, explication en 3D et tout et tout. Bonjour monsieur. On accepte que les paint. Évidemment. Toc. Et en live, hein. On adore les artistes sur Paint en live. Ouais. Ah ouais. Ouais, avec la barbe blanche ou pas. Oui, aussi. Non, c'était le nom. Non, on ne citera pas. On va pas dire qu'on parle de Z quand même. Non, je pensais pas du tout à lui. Non. Parce que t'as Z, il a fait des dessins. Il n'y a pas que Z. Moi je connais le patron aussi. Il va me faire des beaux dessins. Mais avec du violet, sinon on regarde pas. Ah, évidemment. Non, mais je le précise même pas ça, tu vois, Lila. C'est une évidence. Non, parce que nous, après, on l'échoue, les dessins. Ça grignote. Oh, de chips. Ça grignote. Et bah moi j'ai mangé des chips. C'est des croutons. Ah bon, je crois que c'était des chips. Désolé. Je lui ai fait envie avec mes croutons tout à l'heure. Ah grave, tu me donnes une fleur aussi. Oui, on échoue, sinon c'est pas écologique, faut savoir recycler, tout à fait.
reçu ton café noisette. Tu l'as goûté, ça y est, il est bon. Mais. Oh zut. Ça se verra pas qu'il y a un bloc en plus. Deux blocs en plus. Trois. On suffit. On reste pas. Hop, je note ta coordonnée. J'ai dégainé la tasse, ça arrive. Ok. Bon, ça va, ça va. Ça va. Pouf, pouf. Et pouf. Et pas pouf. Hop. Ah non, mais de toute façon, dès qu'il y a les. Là, les algues, c'est chiant parce que les blocs se mettent n'importe où. Est-ce qu'on vient là? T'as pas une canne à sucre dans tes sacs pour voir si c'est waterlog? Mais sous l'eau, je pourrais pas planter ma canne à sucre. J'en ai peut-être. Moi, j'en ai pas en tous les cas, ça c'est sûr. Je peux pas t'en fournir, j'en ai pas du tout. Si, j'en ai une. Ah, bah écoute. Mais sous l'eau, tu peux pas. Hein. Oui, il m'a poussé. Regarde. Ah, si! Ah bon? Ah! Bah écoute. D'accord. Je savais pas. Mais c'est pour faire de l'air hein, qui... Enfin, c'est pour remplacer les blocs. Non, je pense que c'est pour faire. C'est pour vider l'eau, mais je vois pas comment. Ah, parce que la canne à sucre elle pousse et puis. Ah, elle remplace les blocs d'eau? Ouais. D'accord. Ouais, tu vois, tu fais ça, puis elle va pousser, puis elle va virer l'eau sur la colonne. C'est ça? Ouais. Elle ne pousse pas. Non, alors c'est pas comme ça. Alors je comprends pas du coup. Faut que t'en aies une quantité industrielle, s'il faut que tu plantes. Ouais. Je veux bien que tu m'éclaircisses encore un petit peu. Tu peux en mettre au-dessus. Oui, tu peux en rajouter au-dessus, mais ça veut dire qu'il faut que t'en aies beaucoup, comme dit Calypso, quoi. Au moins deux, juste pour pouvoir te donner de l'air. Comme pour une porte. Oui. Ça va? Tu as bien reçu ma vidéo, hein? Tu peux t'entraîner à la chanter en anglais comme ça. Attends, il me fait la choré. On peut pas chanter là, mais on peut faire la choré. Voilà. Je faisais des chemins à ma taille. Ah oui. Ah oui, d'accord. Oui. Ah. Non, puis là, en plus pour le coup pour vider le tunnel qu'on est en train de faire de son eau, on a une éponge assez efficace. Pas les éponges. Bah alors ça fait super longtemps. Ça fait super longtemps, Rana. Oui, oui, parce que ça, les éponges. Du coup. Mais c'est sûr, quand t'avais pas les éponges, tu devais être malade. Ouais. Et la mécanique fonctionne toujours, ouais. Oui, c'est vrai. Oui. Je savais pas, je la connaissais pas cette mécanique.
Je sais pas comment j'arrive à me coincer par moment. Allez-vous-en, tout vous gêner. Cette faille sous-marine là. Non, non, on lève pas les doigts, ça suffit. Laissez mes doigts, nos doigts tranquilles. Bottes et piques. Et plus rapide que de remplacer par gravier ou sable. Ah ben, ouais, sur ta hauteur, oui. Mais t'imagines, là, faudrait tout qu'on fasse en canne à sucre. Oh. Oh ben, on le ferait pas, je pense, tout simplement. Non. À l'époque. Oui. C'était le siècle dernier. Oh ben là, avec la super réponse, ça va être fait très vite, hein. Ouais. Ça pour ça, ça va être bien. Commencer à prendre l'éponge puis à montrer comment elle fonctionne. Mais au début, moi je continue à construire le tunnel par là. Oh non, quoi? Il n'y a plus de quoi? Le risotto il est fini, ouais. Il a tout été mangé très très vite. En tout cas, j'ai appris un truc. Ouais, bah oui, moi aussi, tu vois. Ah mais c'est dingue, je reste collé au fond quoi. Je connais l'éponge. Ouais mais là c'est pas l'éponge normale. Attends. Ah, je vais te la passer. Ouais. Attends. Là. Là, je suis là. Je pose mon sac à terre, elle est dedans. Oui. Attends. Voilà, vas-y. C'est génial. Alors. Allongé pour chercher dans le sac. Je vois pas d'éponge, moi là. Attends. Je l'ai sur moi. Partons. Voilà. Ah, merci. Celle-là, tu la connais pas. Attends, je vais aller là où c'est bien couvert, par contre. Oui, 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 bah oui. Faut que tu retournes au début là, parce que. J'arrive pas à passer en super vitesse, c'est dingue. T'as perdu tes super pouvoirs. Mais oui. Oh. On est perdu. Comme Balou hier qui arrivait pas à s'envoler en bouée flamant rose. Je comprends pas. Il décollait pas. Abusé pendant les fêtes. Coucou Stinger. Salut Stinger. Non, on va bien. Et toi, comment vas-tu? C'est qu'on a avancé, mine de rien. Pour ça, quand je relis deux îles, un couloir de 3 de haut, en canne à sucre, je cours.
La crève avec une bronchite affectueuse. Attends, j'ai réussi à me coincer. D'accord. On s'est coincé dans le tunnel, quoi. Bah oui. Avec les courants d'eau. Non, parce que c'est plein de gravier. Là. Attends. Bah, la minute, je me mets là. Oups. Hop. Regarde ça, tout ce que ça a enlevé comme eau, quoi. Allez se mettre. Oui, alors faut que tu remplisses ton inventaire parce qu'en fait, elle va revenir toujours dans ta main, mais si ton inventaire est pas rempli, elle te met dans le premier slot qu'elle trouve. Alors, si ton premier slot, c'est par là. Change que je connais pas toutes les nouvelles mécaniques. Bah là, c'est une éponge modée. Hein. Ouais. Mais bon. C'est pas. Bullshit. Bah non, on est sur un serveur modé, c'est legit. Oui, je connais le modé de pas le moins. Non, sors pas. Bah, donc t'as pas fait les choses à moitié, Stinger. Hein. Bronchite. Il y a bien longtemps que j'ai pas eu de bronchite. Mais... Bah, depuis que j'ai arrêté de fumer, je crois. Hein. C'est rigolo, hein. Oui, comme c'est... quoi. Bah vas-y, pousse-moi! Ah, il m'a poussé avec sa queue, quoi, le ton, là. Je te dirai rien. Oh, mais le sang gêne, quoi. Mais récemment, j'ai voulu casser un portail avec un seau d'eau, j'ai été surpris. Ah, tu peux mettre de l'eau autour de ton portail, hein. Ouais, maintenant ça... Je pense qu'il se fait à manger, mon fils. Des lardons, certainement. Pas des... Une petite intuition là. T'es pas de carbo, non? Non, pas quand même. Je sais pas. Non, il casse plus. Ah, c'est sûr que si tu sautes des versions comme ça, il y a des nouveaux trucs qui peuvent surprendre. Ça, hein. Suis vieux, j'ai connu les fermes à or où il fallait 1000 portails en obsidienne. Hein bon, ben, ça, je suis pas assez vieux, j'ai pas connu. Allez, 1000 portails. Allez, ça fait beaucoup 1000, hein. Je crois que j'ai joué quasiment comme modé de la 1.7 à la 1.12. Et puis voilà. Donc, quand il ne faisait que 3 par 2. Ah oui. Quelle évolution quand même. Oh, ça a quand même beaucoup évolué quand même. Ah ouais.
rien que les fonds marins. Ouais. Avant, c'était que du gravier. C'était, sans c'était air. Triste. Rien, mmh. C'était d'une tristesse. C'était. Tout est vu, il n'y avait que deux fleurs. Deux, seulement deux. Quelle horreur. Voyons, c'est dingue. Ça, je me rappelle pas. Moi. J'ai pas joué à ce moment-là. Je crois pas. Il y avait que les poppies et les. Et les pissenlits. Et les pissenlits. Ouais. Les dandelions. Sans le modé, t'as pas beaucoup de fleurs. Non, mais enfin, c'est. Ah, oh bah maintenant, il y en a quand même un peu plus parce un peu que. Plus, ouais. Il y a eu dans les marais, il y a eu l'apparition des. Des orchidées bleues. Des orchidées t'as bleues. Les pivoles, les lilas, les rosiers. Il y a les bleuets. Les ouais, bleuets, voilà. Le muguet. Le tournesol aussi. Tournesol. Ouais, le tournesol. Quand même, puis maintenant, t'as toutes même les petites fleurs aussi, ouais. Les petites fleurs blanches, là, les toutes petites, les hortensias, là. Enfin, non, pas non, hortensias. Non. Non, c'est pas ça, c'est. T'as les marguerites. Oui. Oh ça va. Quelques fleurs quand même. Les tulipes. Oui, maintenant. Toutes les tulipes. Ouais. Toutes les tulipes, oui. L'allium. Mm. Bon, il y a quand même. Quand même maintenant, en vanilla, il y a quand même fleurs. Beaucoup plus de fleurs. Avant, c'était vraiment deux. Enfin, les toutes premières versions, c'était deux fleurs, quoi. Juste jaune et rouge, c'est tout. Voilà. Il y a toutes les couleurs et celles qui ne sont pas craftables sont doublées. Oui. Évidemment, en modé, t'en as encore plus, mais c'est pas. C'est vrai que, quand même, malgré tout, il y a eu quand même une sacrée évolution. Bon, alors, elle est où le fond? Il est là. Heureusement que j'ai une bonne réserve de cobalt. Hein. Oui. Il y avait une fleur bleue qu'on ne trouvait que dans les marais. Ben, la... Oui, l'orchidée. L'orchidée? Mais les marais, il n'y en avait pas... Pas des masses, hein. Et encore, c'est arrivé qu'après... Arrivé lorsqu'il y a eu la version avec le Nether, la refonte du Nether. Ouais. Voilà. Yes. Bon. Et eh ben, déjà, ah, tout ça vidé. Youhou. Ouais. Chouette. Tu t'es fait quoi à manger? Sur la maison. Bientôt la maison. De quoi, Kara? Je suis coincée dehors. Ah. Je suis trop bête, quoi.
Je me suis enfermé toute la maison seule. à 200K, Edgy. Ah bah écoute. Yes. Bientôt alors. Tac, voilà. Ben écoute, tant mieux. Charge, s'il te plaît. Casser tout ça. Oh bah il y a des gens, ouais, voilà, c'est ce que j'avais dit. Coucou les copains, coucou. Il y a du monde. Ouais. Ah, une fuite. Ah, c'est normal, je suis plus con. Enlève juste du gravier, c'est ça? Oui, bah. Bah oui, enfin on en fait pas mal donc ça va retomber, Bah j'ai essayé de. ouais, d'enlever tout au maximum, mais moi je l'ai Ouais. peut-être pas fait de mon côté alors. Mais bon, j'ai pas forcément bien réfléchi mais, tout le temps. Je sais que tu as des commandes. Non, non, j'en ai plus là. J'ai tout fait. Non, non, j'en ai plus. Ah, ouais, bah tu vois là, j'étais pas. J'étais pas au point. Ça. Je suis en train de faire de la merde. Alors l'endroit, c'est moi qui le choisis, Cara. Vous choisissez que la couleur. Ah. Oui, il y avait un drôle de bruit de ce côté-là. Les piquants, ouais. Je me demande quelle couleur tu vas choisir, Lila. Franchement. On se demande bien. J'avoue que là, je vois pas du tout. D'ailleurs, vous avez prévu de mettre des portails du Nether dans ce tunnel ou pas? Bah écoute, non. Ah, non. Non, J'avoue que j'ai pas. non. Moi j'ai foncé tête baissée, j'ai pas pensé à faire des portails, non. Parce que je crois qu'il fait au moins 7000 blocs de long. Ouais. C'est ça. Bah. Pff. Je sais pas, est-ce qu'on en a vraiment l'utilité, hein, parce qu'on va vite après. Hein. Ouais, bah non, c'est vrai que. Alors, Anna, rouge. Ça y est, c'est en train de se disputer. Alors, là, si c'est Kara qui se fâche après beau tapis, il va moins faire le malin. Oh, ça va, c'est bien. Ah, mais il ne le dit même plus en français, d'accord. Ok, maintenant c'est Simplifie Arcon. la vie. Ok. Il sait se faire des amis, hein, quand même. Hein.
Il veut pas parler en français. C'est dingue. Ce bot est incroyable. J'y suis pour rien. Ah là là. Je veux pas savoir en fait. Il y a encore quelque chose qui t'étonne, Goldarius ? J'ai les idées tordues. Non, penses-tu? Qui a dit ça? Il a osé penser ça. Ah, j'ai fait un trou! Ah, c'est Calypso, je me demandais ce que je voyais. C'est que moi, c'est que moi. Ça va alors, ça va. Je casse là. On se met comme ça. Hein. C'est moi qui l'éponge, Calypso, si tu la veux. Hein. Bah, ça dépend. Est-ce que tu veux le faire? Non, pas spécialement. Pas ça me va de creuser. Pas, oui. Bon, bah, écoute, si besoin d'une deuxième, j'en ai une. Ah, bah, écoute. Je te laisse poser ton sac, peut-être. Oui. Ce sera plus simple. Parce que sinon, simple, oui, parce que... ça va être la danse des aimants. Oui. Hop. Voilà, madame. Merci. Un peu plus de toi. J'ai envoyé un mail très désagréable à mon chef d'agence en espérant qu'on me vire, mais c'est lui qui démissionne. Ah bah d'accord. Ah ok. Bah. Bon. Bah écoute. Effectivement. C'est lui qui démissionne, d'accord. Ah. Génial comme situation. Ouais. Ta place, ça marchera. Ouais, mais bon. Oh. Excuse-moi. Je te passe devant. Désolé. J'ai dit qu'il était bon à rien. En copie à tout le monde. Bah, bravo. Tout le monde le pensait. Ah bon, bah oui, voilà. Confiante. Ah là là. Eh ben dis donc, j'aimerais pas vous avoir en collègue. Hein. Faites peur quand même. Non, ça va.
l'Enderman qui va m'embêter maintenant. Dans l'eau? Bah, il est pas dans l'eau, lui, il est au 5. Ah non, t'es sorti. Ça va, toi? En tout cas, les chauves-souris, ça va bien. Hein. Oh, collègue, tu crains rien. Ah. D'accord. Ça va? Oui, ouais. Voilà, j'étais... Voilà. Si t'as des poches d'eau, tu me le dis. Que j'ai d'accord. Pas vu. Parce que en dessous, en fait, comme je fais le dessus, oui. S'il y a des poches d'eau à l'intérieur, en fait, je les ai pas forcément vues. Donc bah, tu m'appelles, puis je reviens... Okay. On fait les poches d'eau à l'intérieur. Par contre, ça spawn, hein. Donc, oui, prépare-toi oui. À la bagarre parce que ça. Ouf, bah, on risque rien, nous. Hein. Oui, non, non. À part les Enderman, en vrai, il y en a aucun qui veut nous attaquer. Hein. Les creepers, ils se barrent en courant. Ouais. Et les zombies squelettes, ils nous ignorent. Oui, nous ignorent. Ça fait bizarre d'être ignoré. Ouais. Ah, parce que vous êtes en vampire. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah t'imagines Goldarius, il a ça avec tout. C'est bon déjà. J'ai engueulé mon mari car monsieur était pressé de mettre la dalle de lumière dans le bureau. Résultat, elle est de travers et il a eu le toupet de me dire quand c'était de ma faute car j'étais pas venu l'aider. Ah bah ça. Ça a dû chauffer dans les chaumières là. Youhou! Oh putain! Oh non de Dieu! Ça a dû chauffer! Ah voilà. Il y a que les mimines qui sont casse-pieds. Oui, voilà. Oui, les mimines. Effectivement. Ben oui, on a l'électricien. L'électricien qui doit venir la poser. Ben oui. Ah là là. C'est ça Lila. Sinon quand ils font des conneries, c'est de notre faute forcément. Il est bon ce... Ouais. Ok, ok. On ramasse. Calypso, avec son costume de Mère Noël et ses yeux rouges, on la croirait tout droit sortie d'un Stephen King qui pourrait s'intituler Noël en enfer. C'est vrai que c'est particulier. Hein. Mère Noël avec des yeux rouges comme ça. Bon, ben on va casser ici. Rassembler là. C'est assorti. Oui. Tiens, il y a un vampire là. Coco. Ouais. C'est vrai qu'il y a du monde hein. Allez. Oui, mais ça fait peur aussi, Stephen King. Je suis pas sûre d'aimer, hein, moi. Oh. Mais non. Mais non, ça fait pas peur. Attends, j'en ai toujours un que j'ai entamé et que j'ai toujours pas fini, moi, de Stephen King. Ah, c'est quoi ? L'Institut. Ah. J'arrive d'accord. Pas. J'y arrive pas, c'est. Non, ça, bah des fois. Moi qui adorais lire du Stephen King, ben là, j'y arrive plus. J'ai l'impression que c'est tout du réchauffé. Ah, c'est... moi j'ai été, j'ai beaucoup lu une série qui avec une un médecin légiste, qui est Scarpetta, mais alors je me souviens plus du
le nom de l'auteur. C'était génial. Jusqu'à un moment donné où j'ai senti que c'était en fait du... Bah, du réchauffé en fait. Ouais, c'est tu, ça. Le sens, tu le sens dans l'écriture, tu le sens dans... Dans le... Je sens qu'à un moment ils ont plus envie en fait. C'est, Voilà, ils ont plus envie donc en fait ils réutilisent des trucs qu'ils ont déjà utilisés et en fait tout c'est plus du tout passionnant. C'est... J'en ai lu, je crois que je dois en vingtaine parce qu'il y en a une vingtaine qui c'est absolument génial. Vraiment, moi, je suis pris au jeu et après les cinq derniers là. Ouais. Ben, moi. Bah, j'ai même pas acheté les deux derniers en fait. J'en ai acheté trois. Puis au bout de trois, j'ai dit, bon, bah voilà, j'espère. Elle est arrivée au bout de ce qu'elle devait dire. Elle sait plus quoi dire. Et puis en fait, il faut qu'elle. Elle a signé pour tout le volume avec son éditeur. Ça, hein. Puis bah, faut qu'elle finisse. Mais en fait, bah voilà quoi. Elle rien quoi. Elle est arrivée au bout de son sujet quoi, c'est tout. Point. Moi, écoute, je les ai énormément lus, les Stephen King. Ouais. Et j'ai arrêté en fait avec ils en ont fait une série, c'est Dôme, oui. J'ai acheté, pourtant je les ai achetés hein, tous les tomes, enfin les deux tomes. J'ai lu le premier qui commençait bien en plus, l'histoire commençait bien et à un moment je sais pas, c'est parti en cacahuète et j'ai pas réussi à finir le livre. À finir. Et même la série, j'ai pas accroché. Et depuis, j'ai pas trouvé un seul Stephen King qui me convenait. Ouais, ça fait un moment que c'est comme ça. Je pense que ouais, c'est fini quoi. Il a donné tout ce qu'il avait avec. Oui, il avait à dire tout ce qu'il avait encore en imagination dans. Mais bon, voilà, à un moment donné. C'est fini. Voilà. Quoi? C'est pas vrai, je t'ai pas regardé. Oh là 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 là. T'es même pas beau, je te regarde pas moi. Voilà. Bah ouais, donc il y a Doom et puis l'institut que j'ai pas encore réussi à continuer, finir, je sais pas, mais continuer en tout cas. Ça commence avec un clown pour finir. Oh, il est bien. Non, ça, il est très bien à lire. En vrai. Oh, ouais, mais ça, c'est dans. Ça date, hein. Ça remonte maintenant, c'est ce que j'allais dire. C'est... Ouais, on n'est pas dans les derniers qui vient d'écrire. C'est hein. Ça. Ça, c'est quand même. Ouais. Pour le coup. Donc j'ai vu ouais, qu'il en avait ressorti, j'en ai vu des nouveaux dernièrement. J'ai même pas eu envie de lire la couverture. Ah ça arrive, hein. Des fois... Puis une fois qu'on a été déçu, ça... Ouais. T'as pas forcément envie d'y revenir. Je préfère relire les vieux bouquins. Oui, ceux qui t'ont vraiment plu. Ouais. Et que entre temps t'as parfois oublié parce que bon bah... Ah, t'as pas une mémoire d'éléphant. Malheureusement, j'ai une bonne mémoire et ouais. Ah. Donc les relire pas encore. Ouais. Tu viens manger du poulet avec moi, il fait si froid dehors. Tu viens manger du poulet avec moi, il fait si froid. C'est une réplique ça ? T'as pas compris. Pas compris. Oui, c'est une réplique. D'accord. C'est comme, ben moi je me rappelle des ça, du vieux téléfilm quoi. Et j'ai regardé la première partie du nouveau. Ouais. J'ai pas aimé. Non. Mon mari a aimé. Mon fils a aimé. Ouais. Moi j'ai pas aimé. Mais est-ce qu'ils avaient lu les livres ? Oui, alors mon mari, oui, bien sûr. Oui. Mon fils, d'accord. Non. Okay. D'accord. Clairement. Le fléau. Oh ouais, le fléau est génial. Le fléau est super bien. La part des ténèbres. Ah, ces vieux bouquins sont géniaux. Bazar.
Charlie aussi. Pas hyper connu, Charlie, comme le bouquin de Stephen King, mais il est bien. Non, il est pas très connu. Non. Alors, c'est un bouquin que j'avais prêté à une copine. Elle l'avait dans son sac. Et dans son sac, avec le bouquin, il y avait une bombe lacrymo. La bombe lacrymo s'est vidée sur le bouquin. Oh merde! Ça a senti, mais pendant tellement longtemps. Oui, effectivement. Ah, c'est tenace, la bombe lacrymo. Faut le dire. T'en as fini aucun? Non, sérieux? Tu les as commencés sans les finir. T'as pu faire ça. Ah, putain, mais ces vieux bouquins sont top, quoi. Vache, je sais pas comment t'as fait. J'avoue. Là, je suis... scotché. Est-ce que je ramasse tout ce bordel, non? Ça se fait? Style lire les 500 premières pages en 3 jours. Ouais. Et après t'arrêtes. Et c'est fini. C'est terrible, ça. Je connais jamais la fin. Mais c'est horrible. Au moins, il le finit jamais. Ça, c'est un avantage. Oui, c'est sûr. Alors, sa pile à lire, elle doit être énorme. Arrête du débile, les vieux Stephen King. Non, je peux pas te laisser dire ça. Ah bon? Qui c'est qui dit ça? Rana. Ah bon? Vraiment? Tu n'aimes plus lire de bouquins, on t'a dégoûté de la lecture, Goldarius. Ça, c'est vraiment terrible. Hein. Ouais, ça, c'est triste. Non, oui, ici, tu peux laisser. Il fallait pas. Ouais. Fallait laisser celle-là. Voilà. Bon, allez, je la refais. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais pousse-toi, toi. Eh, il y a du monde. Hein. Oh, dis donc. Je peux même pas poser mes blocs. Non, non, moi j'adorais lire. J'adorais tellement lire que je me suis retrouvée sans rien à lire quand j'étais gosse. J'ai lu la Bible. Ah oui. Alors, faut être désespéré. Hein. Mais la première partie est sympa. Hein. Alors là, pour le coup, Anna, tu vois, la première partie est sympa. C'est après que... Bon. Après, voilà. Après, je te l'accorde, moi non plus, j'ai pas fini. Dans le Deutéronome, je pouvais plus là. J'avais peur. Mais au début, c'est sympa, hein. T'as l'impression d'être dans un truc fantastique, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Le pire que j'ai lu, c'est ma mère, elle avait une vieille édition de Autant n'emporte le vent. Ah. Mais le problème, c'est qu'il y avait des bugs dans les pages. Ah merde. Il y avait des phrases qui n'étaient pas des au bon endroit. Des bugs dans les pages. Ouais, il y avait des phrases qui étaient pas au bon endroit dans la page. Ah ouais, d'accord. J'en ai chié hein, pour remettre tout dans l'ordre dans ma tête. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ah, t'as dû t'amuser. Ouais. Surtout que c'est un pavé quand même, le bouquin. Hein. Bah ouais. Je lisais même les... quand j'étais vraiment en manque de lecture, les trucs des médicaments là. Ah, oui, les notices des médicaments. Bah ouais, j'ai plus rien à lire quoi. Vite, achetez-moi un livre, vite. Ah, mais mes parents m'ont jamais laissé en manque de lecture. Enfin, pour le coup, on avait la chance d'avoir un bouquiniste. Et donc, mon père adorait les livres. Donc, il m'emmenait régulièrement au bouquiniste et j'avais toujours le droit de m'acheter des livres. Ils étaient pas chers, hein, ils étaient à 50. Je sais pas, à l'époque, 50 centimes, ouais, c'était vraiment pas cher pour un livre. Donc, ah, mais moi, ma mère, elle me laissait les pas... Des poches de... qui étaient déjà cornées, hein, des fois. Hein, c'était pas des beaux livres, hein, mais peu importe, c'est pas grave. J'ai lu les Jack London et tout ça. Enfin, tout ça, c'était que de la... Ouais. Non, mais... Non, ma mère me laissait pas du tout sans lecture. Mais juste que ça me prenait... à un moment où je pouvais pas aller m'acheter un livre, quoi.
On va fouiller dans son coffre de livres. On va voir si je trouvais pas quelque chose que j'avais pas encore lu. Par contre, il y a des trucs que j'ai jamais pu. Emile Zola, non. Ah. Ça, je peux pas. Victor Hugo aussi. Ah, parce que alors ça, pour, tu peux lire 93, ça va te prendre un certain non, non, temps. Hein. Non, non, non. Non, 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 non. Vraiment non, merci. Il y a une phrase dans 93, c'est la description de la, du balancement d'un canon d'un côté à l'autre du bateau. Elle doit durer... Si tu comptes, elle doit durer, je crois, 2 pages. Non, enfin, non, une non. Page recto verso, en fait. On avait compté avec mon père. C'est... Des points virgules, des machins, des trucs individuels. Enfin... La page, la phrase, elle en finissait pas. Je pense qu'il s'était lancé un défi, là. Ouais, non, non, mais... C'est marrant parce qu'on a eu la même discussion avec ma nièce. Le jour. Oui, je vous ai vu, les gars, je vous ai vu. Tout va bien, ça va aller. Pas de panique. Et je disais, non, mais on les appelle des grands auteurs, mais moi, en fait, ils me donnent pas envie de les lire, quoi. Tu vois. C'est pas parce que les phrases sont tournées, compliquées, machin, que c'est intéressant. Hein. Moi, je les ai lus, je les ai trouvés intéressants, mais ça c'est personnel, hein. Ouais, voilà. Ah, je trouve ça imbuvable, quoi. C'est plein de mots, ah oui, alors putain, les mots que tu vois pas tous les jours, quoi, ça c'est sûr. Hein. Mais... C'est pas accessible, quoi. C'est dommage. Oui, c'est vrai, c'est, par contre, c'est dommage. Bonne question. Cette question, tu râles à combien de RAM Ragnaset quand tu streams? Faut savoir que j'ai un PC qui date. Et que j'ai. Je sais pas combien j'ai mis la RAM sur Ragna. Déjà. Je vais mettre 10, je pense. 10 gigas. J'ai même pas fait gaffe. J'ai commencé à lire un truc, c'est l'inverse. Le sujet est ultra intéressant, mais tout est en ancien français. Après, on voit qu'ils sont plusieurs à l'écriture. Certains sont plus compliqués à lire que d'autres. Hein? Je suis con, hein, je dois pouvoir te le dire, là. Non, je peux pas, parce que c'est sur CurseForge, et CurseForge n'est pas ouvert. Mais j'ai dû mettre 10, je pense. Mais par contre, dès qu'il pleut, j'ai plus de FPS, enfin, je galère. Hein. Un petit bisou, Aya. Merci d'être passé. Bisous. On a des copains, t'as... attention. Oh là là, ce gravier. Ils sont tombés en bloc. Il a des oreilles de chat, lui. Zine. Oui. Calme-toi, Botepic, s'il te plaît. Oh, t'es pavé. C'est encore Kara qui embête Botepic ? Non, non. Mon PC date, j'ai récemment mis 32 Go de RAM et alloué 16 à Minecraft. Je ne lag pas, mais le temps de chargement est très long. 32 Go, c'est bien, hein. C'est bien. Moi, j'en ai 16, hein, dans mon PC, pas plus.
Oui, il est mignon avec ses oreilles de chat. J'ai rien fait, Arcane. Non, elle a rien fait. Elle est pas là. Ne vous mettez pas dans mon chemin, les gars, non, vous êtes chiants. Bon, c'est trop nombreux, là. Vraiment. Ah. Bon, pète si tu veux. Non, pas là. Tout ça, toi. Mais ouais. Non, mais regarde ça. T'appuies pour les autres. Hop. Tout mignon avec ses petites oreilles. Juste pour voir. Tu me les donnes? Oh, ça va. Un peu de bagarre. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, je crois que j'ai déclenché quelque chose à l'insu de mon plein gré. Ah, vous êtes beaucoup là, les gars. Ah, c'est bon. Et vous ne viendriez pas m'aider, là, les deux oiseaux, là. Non, non, mais ils n'aident pas, je cherche pas. Hein. Je vous signale. Hein. Non, ils ne drop pas leurs oreilles. C'est leur skin. Hein. Ça serait trop bien. Ouais. C'est la maison rustique du 19e siècle. Tout ce qu'il faut savoir sur l'agriculture et le maraîchage avec études économiques, chimiques et technologiques sont dedans. En 5 tomes, dans moyenne 500-600 pages chacun. PNJ. D'accord, et bah t'as bien du courage, mon carco. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les... Ah bah aussi, à un moment donné, c'était nous qui allons gueuler. Bah mais ouais. Non, mais non, c'est les PNJ. Ce sont des vampires, ils sont à côté de nous. Ah. Je me bagarre. Vous êtes de là, vous êtes censé être de mon côté. Ouais, mais... Non, non, c'est... Mais non, oh, ah, j'ai eu l'impression d'avoir été pris pour mon crâne, moi, là. Oh. Tout de suite. C'est involontaire, je suis désolée. En numérique, parce que c'est 700€ pour l'avoir en réédition physique, je précise. Ah oui. Wow. Tu vis l'almanach? Bah, c'est presque ça. Ah. Voilà. Excusez-moi. Bon. Bah, de toute façon, avant que je me fasse écrabouiller. Il est 22h passé, moi je vais arrêter le live. Ouais, vas-y, on a bien avancé. Oui, on a avancé quand même, hein. Franchement. Attends. Bon, je sais pas d'où on est, parti, mais. À mon avis. On a dû les faire, les 1000 blocs. Hein. Oui. Hein. Oui. Ah oui, oui, bah plus. Enfin. Plus parce que, regarde, on est en 5890. Et tout à l'heure, quand je regardais là-bas, j'étais en 3000 et quelques. Ah bah oui, on donc, a fait voilà. Plus là. Oh, ouais. On a bien taffé. Donc on va arrêter là. On va rejoindre les garçons. Alors, les garçons... Oui, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Allez, sous. Nous aussi, on est en 5880. Il y a les différentes techniques d'agriculture selon le type sol, les modèles d'agriculture, etc. Ben dis donc. Oh là là. Mais ça doit être dur à lire du coup, non? Oh oui, parce t'arrives que à digérer plein de mots techniques... Ouais, t'arrives à comprendre quelque chose? Bah oui, parce que là, pour le coup... Tu te fais des résumés, non? C'est le coup à transcrire à côté. Hein. 60 scientifiques européens sur le coup. Eh bien... Bien courage. Mais si ça te passionne, c'est chouette. Ben si, quand même, il nous disait que c'était un ancien français, donc ça doit être des fois un peu... doit avoir mal à la tête, quoi. Ouais, quand même. Un ancien almanach, alors, quelque chose d'ancien... Une ancienne revue scientifique... Je lis par étapes, c'est relativement bien chapitré et sous-chapitré, ouais, d'accord. Oh, c'est bien. Okay. Non, mais c'est bien. Non mais faut ça charge là. Ouais, ça veut pas forcément. Hein. Ouais.
Je suis là. Allez. Allez, la Blue Moon. On peut entendre. Pas peur, pas peur. Oui. Lila, oui. Contente. Charmé. On voit même la lune au loin. C'est incroyable. Oui. Sacrément t'as fait les garçons. Ah, c'est bien. Bon. Vache. Ça va alors, ils bossent, ils font pas semblant. On se met là ? Ouais. Très bien. Allez, il est où Delphinus ? Il arrive. Oups. Allez, petit loup. Bon, bah du coup, moi je vais vous faire des bisous. Merci les copains de m'avoir accompagné. Merci les viewers d'avoir été là. Merci pour les abos offerts et les réabos. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis demain matin, moi je serai avec le patron sur Lunaria. Oh, merci beaucoup Rana pour mon carco. Merci. Merci des bisous. Sinon, on se retrouve donc demain chez le patron, dimanche chez le patron, lundi, je sais pas si je live lundi, je verrai. Je vais encore voir jusqu'au milieu de semaine prochaine comment ça va se passer. C'est un peu compliqué là. Voilà. Ah, c'est les vacances. C'est les vacances pour tout le monde, puis il y a pas mal de choses à faire avec les gosses. Enfin, c'est chaud chaud. Voilà, je vais regarder chez qui je peux vous envoyer. Ouais, bonne nuit tout le monde. 10 bisous. Alors, qui qu'on a ? Bonne nuit à demain. Chez qui je pourrais vous envoyer ? Je vais vous envoyer chez Titan, tiens. Monsieur Titan en live. Fait du Minecraft en plus, apparemment. Delphinus sous sa forme de loup. Ouais, il fait loup. Il fait tout peur. Je vous fais des bisous, bonne nuit, merci à tous, et à bientôt. Des bisous.